Aujourd'hui, j'ai décidé de m'initier au free running, autrement appelé parcours. Il s'agit de se déplacer de manière acrobatique d'un point à un autre en utilisant tout mon environnement urbain à la seule force de mes bras et de mes jambes. Et pour ce faire, j'ai décidé de faire appel au maître de l'exercice, Simon Noguera, le champion de France de free running. Simon. Alors on fait comme ça, donc vas-y, on revient de l'autre côté. Tu as su ton cours ici, on franchit ça. Mais il est fou. Mais j'arrive même pas à le suivre. Mais t'es un vrai singe volant. Non mais attends, mais c'est incroyable. Un Yamakasi, c'est ça? Du moins les Yamakasi ont fait une grande partie de démocratisation de cette pratique. Combien de fois par semaine tu t'entraînes avant de pouvoir obtenir une telle fluidité de mouvement? Je me suis entraîné avec grande passion et tous les jours de ma vie pendant au moins 15 ans. Et j'ai pas commencé de façon aisée, hein. C'est-à-dire pas très doué, j'étais pas très fort. Il a fallu que je travaille mon corps jusqu'à tout ça, quoi. Tu veux bien me parer? Je vais essayer de faire la même chose que toi. Dans l'idéal, il faut que tu ailles, voilà, tout doucement, t'allonger dessus. Voilà. Par ici, oui. Excellent. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est ça, tu restes dessus et tu vas là. Excellent. Ça y est, bravo Ariane. Easy, hyper simple. Mais c'était d'une grâce insensée. Je crois que tu fais des choses autrement plus périlleuses que des petits murets. Tu prends vraiment de la hauteur. Tu montes sur les toits parisiens. Tu veux bien m'y emmener? C'est parti. Mais je dis pas ça à tout le monde, parce que normalement, je le conseille pas, bien entendu. C'est interdit en soi. Comme moi, j'essaye pas de rentrer, j'essaye pas de dégrader, je tague pas sur les murs. Il y a en effet un vide juridique avec ma pratique. J'en fais mon métier. Donc quand il y a les forces de l'ordre qui viennent m'interpeller, je peux l'expliquer très très clairement ma présence ici. Et ça se passe très bien. C'est pour ça que je pars avec toi et certainement pas toute seule. Qu'est-ce qu'il fait lui? Mais il est fou! Et en plus, il va plus vite, il a raison. Attends-moi, Simon. C'est parti. Waouh! Ouh! Mais je suis sur les toits de Paris. C'est bluffant, c'est extraordinaire. Je vois la Tour Eiffel, le Sacré-Cœur, et puis tous ces zincs de toitures parisiennes. Ça me coupe le souffle, ça me coupe les jambes, j'ai les mains qui tremblent. Encore, c'est l'émotion qui est forte et en même temps, c'est grandiose. Qu'est-ce qui te donne envie de circuler comme ça sur les toits habituellement? Le calme, le côté un peu jardin métallique à Paris, où la résonance du bruit de la ville s'entend finalement très peu. Mais on a comme l'impression de respirer mieux, c'est amusant. C'est l'effet carcan, moins on a un horizon à portée de vue et ça c'est pas commun au sol. C'est pratique l'hiver parce que si tu te mets là, ça te tient bien chaud là au-dessus des cheminées. Mais c'est pas dangereux, je vais pas me prendre un retour de flamme. Non, un retour de flamme, non, mais j'aime bien la position où tu verrouilles ton corps au-dessus, c'est marrant, au moins t'es sûr d'être safe. Je trouve que c'était très très glissant, les premiers pas que j'ai fait là sur le zinc, il y a une espèce de poussière qui me faisait glisser. Comment faire pour bien garder son équilibre et pas tomber là dans le vide? Paradoxalement, quand c'est mouillé, ça glisse pas du tout, puisque le revêtement de poussière adhère. Comment faire pour bien tenir? Soit on vient les jours de pluie, ce que finalement je conseille pas. C'est paradoxal, hein. Évidemment. Soit on développe des techniques de maintien de poids sur un toit penché, et donc ça nécessite des oppositions entre les réglettes, placer les pieds d'une certaine façon où ça pousse l'un et l'autre, ou alors simplement savoir que ça glisse et jouer de ça, glisser jusqu'à... Pas dans le trou. Évidemment. Ne vous amusez pas à faire ça tout seul. Là, je suis avec Simon, qui est quand même vraiment aguerri dans l'exercice. Mais vous mettez votre vie en péril si vous faites ça. Ne le faites pas tout seul, hein. Complètement. J'invite personne à aller là-haut, évidemment. Regardez les images qu'on fait sur les réseaux, ça devrait suffire. C'est assez solide, le revêtement. Je risque pas de passer à travers le toit. Il faut toujours être prudent de toute façon, parce que c'est vrai qu'il y a des bâtiments qui sont plus ou moins vieux, des rénovations qui restent à faire ou quoi que ce soit. Mais ça reste très solide. Et en termes de dispatch de poids, la feuille de zinc permet d'imbiber vraiment une grande surface d'impact. J'ose même pas regarder en dessous, parce qu'il y a combien de mètres de vide sous mes pieds là? 6 étages, on est au 7e. Ouais. Ça fait super peur. Comment tu fais pour trouver ces accès improbables sur ces toits? Je fais ça de mon quotidien, je voyage dans la ville et je passe par là où mon corps me permet de pouvoir passer. Ça donne envie de chanter, tout ça, ça fait tchum 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 tchum. C'est toi le petit ramoneur là qui sort par les chemins? Ouais, on peut comparer à ça. Bon, et là, je vois que le parcours est un petit peu plus compliqué. Donc, je vais te laisser y aller seul. T'es armé d'une GoPro, ouais. Tu vas être nos yeux. Et nous, on va voir ce qui se passe dans ta peau, dans ton corps. Go. Très bien, on va se balader. Et il est à l'aise, le Simon, il est à l'aise. Quand je t'observe comme ça, bondir de toi en toi, on dirait un chat. Les chats, de par leur délicatesse, leur souplesse, leurs amortis, voilà, ça c'est assez inspirant. On sent qu'il se fait pas mal. Et c'est un petit peu ça, ma pratique. L'idée, c'est pas de me faire mal, ni de frustrer mon corps, mes os, mes muscles, mes articulations, mais d'être à l'aise et de savoir amortir. Quand tu sautes, parfois je t'ai vu t'arrêter net, en rebord du vide presque. Je me suis entraîné à ça. Et il a fallu évidemment passer des années de répétition presque quotidienne pour
pour arriver à aujourd'hui savoir quelle distance je suis capable de sauter sans la mesurer, juste au regard, parce que je l'ai déjà fait, parce que je sais comment contracter les muscles pour arriver et bloquer l'atterrissage. C'est sûr que t'as peur comme n'importe qui, non, quand tu sautes au-dessus du vide. Mais c'est pas ce que je vais rechercher. Je saute pas entre les toits en me disant « Ah, il y a une chance que j'y arrive pas ». Si j'entreprends un saut, c'est parce que je sais que je suis en mesure de l'exécuter parfaitement et de rentrer chez moi le soir, quoi. La peur, elle arrive au moment où j'essaye de voir quelque chose, je me projette le faire, mais en fait, mes compétences sont au bord, à la limite de ce que je me projette faire, et je me sens dans une crainte, je le sens dans le corps. Donc en fait, le stress, c'est avant, mais c'est jamais pendant, surtout pas quand j'entreprends quelque chose en hauteur, évidemment pas. Mais à quel moment tu décides tout d'un coup de glisser, ou au contraire, à un moment, de faire un salto, ou tout simplement de rebondir, ou de marcher, en fait? C'est ton intuition qui va s'adapter automatiquement à l'environnement qu'il y a autour de toi? C'est le ressenti, c'est sur l'instant. Tes plus beaux souvenirs de Fréline, c'est lesquels? Les églises, et donc les lieux un peu plus en pierre qu'en zinc. Il se passe un truc particulier sur les clochers. Et comme à Paris, il y en a plus de 200, ça permet vraiment de visiter des morceaux d'histoire de très proche. Quoi. Hey! Ok. T'es là, hein? Ouais, pas mal, je vois qu'il y a un peu plus d'aisance. Que tout à l'heure, bon alors dans l'idée, voilà, en arrière. En arrière, super. J'ai toujours ce cœur qui bat la chamade. Il y a quelque chose de très attirant dans cette pratique-là, très excitant même, mais ça fait diablement peur, je suis honnête. Est-ce que toi, il t'est déjà arrivé des accidents? Au début, quand j'ai dû apprendre à utiliser mon corps, je me suis cassé le plus de choses dans ma vie, c'était à ce moment-là. Et en fait, c'est quand on ne sait pas, on dépasse très facilement la limite de nos compétences, et le dépasser ses limites, c'est souvent se faire mal en fait. Moi, j'ai subi pas mal de fractures, un peu de partout, mais toujours au sol en fait, et jamais en hauteur. Quand je me mets en hauteur, mon corps sait très bien ce qu'il fait. J'ai pas l'impression de me mettre en danger, tu vois. Bon là, je t'ai laissé entreprendre ce que t'as voulu faire, je t'aurais jamais donné cette trajectoire et je t'aurais jamais imposé de la faire, c'est parce que tu t'es senti capable de le faire que tu l'as faite. Quand tu postes certaines de tes performances sur Instagram, j'ai vu qu'à chaque fois c'est légendé avec une citation où tu deviens acrobate des mots aussi, autant que du corps, c'est amusant. J'aime la langue, vraiment, et j'aime la triturer dans tous les sens et y trouver des résonances, des rimes. Si j'ai envie de rejoindre des free runners, est-ce qu'il existe des associations pour le faire? Oui, des associations à Paris, il y en a un certain nombre, et il y en a même une qui devrait te plaire puisqu'elle s'appelle Pink Parcours. Elle a pour essence première de ne rassembler que des femmes pratiquantes de cette discipline. C'est une pratique qui ne nécessite rien d'autre que le corps. Tout le monde a un corps, peu importe comment il est constitué, il peut évoluer dans son environnement. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est en plein essor. Beaucoup de performeurs sportifs qui s'inscrivent en tant que vraiment extrêmement forts dans cette pratique. Tu penses que ça pourrait arriver un jour aux Jeux Olympiques, par exemple? C'est fort probable, d'autant que de ce que j'ai cru comprendre, la Fédération Internationale de Gymnastique, la FIG, s'est appropriée la pratique du parcours dans cette optique. Peut-être le futur champion olympique avec moi, là, j'en profite, je le touche, waouh. Je sais pas. Quand tu te déplaces, est-ce que c'est juste pour le plaisir de la performance acrobatique ou plus pour quelque chose de beaucoup plus poétique, onirique, où tu te déplaces dans Paris avec rêverie en fait? Ce qui me plaît, c'est l'idée que le sol ou le décor il soit pas plat. Là, c'est un terrain de jeu super idéal. J'ai l'impression de partir en voyage sur les toits et je tâche de jamais aller aux mêmes endroits, de toujours découvrir des nouveaux accès, des nouveaux points de vue. C'est ce que je vais un peu décrocher quand je vais sur les toits. Comment ils réagissent les gens? J'imagine qu'il y en a certains qui disent « Non mais vous êtes complètement fous, descendez de là, j'appelle les flics tout de suite ». Évidemment. Et puis il y a aussi ceux qui nous invitent chez eux par leur fenêtre et puis qui nous font boire un café, qui s'intéressent, qui discutent. Ouais, il y a de toutes rencontres quoi, et c'est vraiment super. Je vais aller faire un petit tour. Tu m'attends ou tu pourras rentrer toute seule? Je pense que je vais t'attendre, enfin oui, je pense que je vais être patiente. Bon bah à tout de suite alors, j'en ai pas pour très longtemps. Bon bah bonne promenade hein. Bye bye.